Oui, salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour un bref scénar sur les bugs sur YouTube. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça les frères, je tenais aussi évidemment à vous dire quand même qu'il y a pire et que voilà, en même temps c'est un peu saoulant, je vous avoue et je vous l'accorde. Donc tout d'abord, avant tout, et avant de commencer donc à parler de tout ça, donc je tenais juste à vous dire que récemment, quand j'ai marqué ça sur Facebook, donc j'avais dit qu'il y avait un bug, que c'était un peu casse-tête. À chaque vidéo, je perdais plus de 1000 vues, donc vous vous rendez compte. Donc au total, là, il n'y a pas très très longtemps, YouTube nous a redonné les vues qu'on avait tous perdues. Et elle a redonné plus de 15 000 vues. Pour vous dire à quel point j'ai perdu des vues, les gars. Vous dire le nombre de vues que j'ai perdu au total. Donc, la dernière fois sur Facebook, j'avais marqué, voilà, YouTube fait perdre des vues, ça saoule un peu, j'en ai marre et tout ça. Et des abonnés toujours qui viennent et qui me disent « Ouais, t'inquiète, Abdel, reste concentré, reste dedans et tout, allez, c'est pas grave, ne sois pas démoralisé, tout ça, allez, tiens bon et tout. » Donc, ça, des messages qui font plaisir, ok? Et après, comme très souvent, tu sais, t'as toujours un cassos. La vie sans cassos, ça serait pas la vie, frère, tu vois? Il vient, il me dit « Ouais, t'es énervé parce que tu toucheras moins de sous. » Donc, tout simplement, pour te dire... moi, je savais la date des bugs, donc il y avait une date sur YouTube de tel à tel, et en fait, YouTube allait quand même te rendre tes vues, ok? C'était pas un bug de thunes, mais de vues, ok? Donc, j'en ai rien à foutre des thunes. Tout ça pour te dire, mon gars, que les thunes, vraiment, c'est un petit plus, ok? Ça me permet d'acheter peut-être un futur ordinateur, ça me permet peut-être d'acheter un gâteau. Il faut pas dire qu'on s'en fout de la thune, ok? Ça fait plaisir d'avoir de la thune, ok? Voilà. En fait, quand je dis m'en fous, c'est genre... Je vais pas calculer au centime près et calculer et m'énerver sur Facebook pour des vues juste pour des thunes. Ok? Voilà ce que je veux dire par là. Parce que ça serait mentir si je vous disais je m'en fous des sous sur YouTube. Voilà. Hein? Ça fait bien plaisir de toucher 90 boules à la fin du mois, pouvoir s'acheter à bouffer, pouvoir s'acheter ci, pouvoir s'acheter ça. Puis là, voilà, le mois dernier, j'ai ma copine, elle voulait un peu de thunes. Voilà, je lui ai lâché 50 balles, j'ai laissé 40 balles dans le compte. Voilà, ce mois-ci, je vais encaisser. Je vais les mettre de côté pour l'Elgato, tout simplement. Pourquoi? Parce que frère, il y a YouTube, donc il y a l'Elgato que j'ai envie d'acheter, l'ordinateur. Mais avant tout, frère, comme vous, les frères, hein, vous allez avoir une copine, une femme, donc, une femme, une copine, comme moi. Frère, il faudrait lui lâcher des thunes. J'ai gagné 90 euros. Les 90 euros, vous savez, je les ai gagnés en combien de temps? En 8 mois ou 9 mois sur YouTube, ok? C'est ce que ça m'a pris, parce qu'avec mon partenaire, en fait, il fallait que j'arrive aux 145$ analytiques. Pour arriver aux 145$, t'as intérêt à bien bosser, mon frère, t'as intérêt à faire des putains de vidéos bien bossées, des trucs qui intéressent, t'as intérêt à faire presque 300 000 vues pour avoir 140$ analytiques, ok? Presque 300 000 vues, allez, 200 000 vues on va dire. Ok? Donc déjà j'ai dû faire les 200 000 vues. Une fois que j'arrivais à 200 000 vues, j'ai pu enfin avoir ma première paye le 1 mois de décalage, donc un mois plus tard. Donc à peu près il m'a fallu 6 mois pour faire ça, plus le mois de décalage ça fait 7, plus le mois payé 8, voilà j'étais payé en 8 mois, 9 mois sur YouTube à peu près. Voilà, j'ai donné 50 euros à ma copine et puis j'ai laissé 40 euros sur le compte. Puis le mois prochain normalement je prends encore... 90 et le mois d'après je reprends encore 90, donc ça va là me permettre d'acheter un Elgato, pas ce mois-ci qui arrive, mais le mois d'après normalement, Inch'Allah. Voilà, donc voilà les frères, tout simplement, là je vous ai parlé un peu de sous, je suis désolé si je suis sorti un peu du contexte, on va dire, de la vidéo, mais on va très très vite y rentrer. Donc voilà, je vous parlais en gros des bugs sur YouTube, donc des vues. Ok, il y a les vues qui ont bugué les frères, et il y a en même temps les abonnés. Moi aussi ça m'a vénère parce qu'il y a un jour où j'ai gagné 400 et quelques abonnés, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai perdu plus de 300 abonnés le jour où il y a eu le bug, et en fait, si vous voulez, l'accumulation de ce que j'ai repris, donc ce que YouTube m'a redonné, mes abonnés, et les abonnés que je gagne donc quotidiennement, plus ça, donc ça fait plus de 400 abonnés, donc voilà, ça fait plaisir après de ne plus avoir de bug, mais je comprends vraiment que ça démoralise certains, mais ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, les gars, c'est rester tranquille, essayer de rester droit, essayer de continuer à envoyer des vidéos sur vos chaînes, c'est très très important, c'est ce qui compte. En fait, une chaîne, je vous explique un truc, une chaîne, c'est comme une plante, ok? Si vous ne lui donnez pas d'eau, bah elle poussera pas. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? J'en suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Ok? L'eau, la plante qui est dedans, le petit noyau, c'est ta chaîne. Ok? L'eau que tu vas venir verser dedans, c'est les vidéos. Ok? Et en versant des vidéos, ta chaîne, elle monte. Plus tu verses, plus elle monte. Et après, elle commence à s'épanouir, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. C'est comme ça que YouTube marche. Du viewer. Tu veux du viewer, tu veux des personnes qui te regardent, tu veux que quand tu parles, comme moi dans une vidéo, tu veux que tu parles, tu sens que tu parles à quelqu'un, tu vois. Tu sens que tu es en train de parler à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben frère, il faut faire des efforts et il faut essayer de trouver dans ta tête, hein, dans ta tête, 4 vidéos à faire par semaine, d'accord? Parce que moi gros, je me remue le cerveau, hein.
je dois faire 4 vidéos par semaine. Là, cette semaine, je vous en ai fait 5 pour vous faire plaisir, mais après, je repasse à 4. Je vous en referai de temps en temps 5 pour vous faire plaisir. Mais c'est vraiment chaud parce qu'il faut 5 gameplay, 5 miniatures, 5 sujets, après 5 commentaires. Voilà, tu vois, 5 traitements, 5 uploads. Et avec ma connexion, c'est pas du tout facile. Et surtout avec la puissance de mon PC. Et frère, c'est un hamar, mon PC, c'est un âne, frère. La tête de ma mère, c'est un âne. C'est un Toshiba pourtant. Toshiba satellite, mais il marche pas. Il n'est pas assez puissant. Le rendu, je l'ai fait en 7-8 heures, le rendu. Si je suis sur Skype, ça monte à 10-11 heures, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pire. Bref, les gars, tout ça pour vous dire, ne vous apitoyez pas sur votre sort, ok? Il y a pire. Regardez le mec, la dernière vidéo que je viens de vous faire visionner, le mec avec qui se fait, désolé de vous dire ça comme ça, mais qui se fait sucer par un poisson, quoi. Et par un poisson, mon frère. Et par une carpe, il se fait sucer, le mec. Après, je vais vous dire, hein, comme je vous dis dans la vidéo, il a une petite bite, donc c'est pour ça que la carpe, ça n'a pas été un problème pour elle. Mais il y a pire, frère, lui, il est pire. Hey, tu me parles de YouTube. Moi, vous savez comment je me remonte le moral de temps en temps? Et je me dis, alhamdoulilah, frère, j'ai 4000 vues par vidéo. Je vais bientôt monter à 5000 vues. Frère, faut être content de ce qu'on a des fois. Et je le dis ça souvent à Cézo. Hein. Quand il a des petits moments où il hésite, je lui dis, frère, n'oublie pas. Ok? Je lui dis, n'oublie pas. Je lui dis, pense, ne pense pas à ce que tu n'as pas, mais essaye de penser à ce que tu as. Et il me dit, c'est vrai, frère, t'as raison. Et il réfléchit. Voyez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que frère, vous, moi je vais avoir plus d'abonnés que vous. Vous frère, vous avez la chance d'avoir votre père. Voyez, moi je n'ai pas mon père. Ma mère, elle vit à Marseille. Elle vivait avant à Grenoble, maintenant elle vit à Marseille. J'ai pas ma mère, j'ai pas mon père. J'ai une chaîne à 16 000 abonnés. Vous avez une petite chaîne, vous avez votre père et votre mère. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde dans la vie aura une chance quelque part. Et pas de chance quelque part. Ok? C'est simple, les frères. C'est aussi simple que ça. Ok? J'ai peut-être une plus grosse chaîne YouTube que vous. Mais j'ai pas mon père. Mon père, ça doit faire 7 ans que je l'ai pas vu. 8 ans. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Faut arrêter de s'énerver. C'est normal, les gars. Attention. C'est normal quand vous dites sur Facebook que vous vous plaignez. Ça, c'est normal. C'est normal. Dans la vie, il faut savoir se plaindre. Faut pas se laisser faire. Mais bon, regardez, les gars. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour cette vidéo-là? Je vais essayer. En fait, j'essaie de vous remonter le moral. J'essaie de vous dire qu'il y a pire que ça. Quand vous perdez des vues, je sais que moi, ça me casse la tête. Je me dis, c'est une vidéo où je devrais faire 5000 vues à cause de YouTube, à cause de ces petits cons. Je fais 3000 vues. Et ça me casse la tête, moi aussi. Parce que depuis que Google, et ils sont venus s'installer dans YouTube, YouTube, c'est devenu n'importe quoi. Donc, je vous comprends, les gars. Ok? Moi aussi, je m'énerve. Ça m'arrive de m'énerver sur ça, bien sûr. Mais, dans cette vidéo-là, je vous dis, pensez à l'avantage que vous avez, vous aussi. Ça, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, une petite chaîne, ça va vous aider à avancer. Je vous jure que ça va vous aider à avancer. Dites-vous, GameX13, par exemple, il y en a un qui a le seum, hein, que je fasse des vidéos des 5000 vues. Il y en a un qui a le seum, on va dire. Tu te dis, GameX13, il a 5000 vues. Putain, il est bon, ce gars-là. Mais moi, je suis content, j'ai mon père. Tu vois, faut savoir ce que moi, j'ai de bien, mais ce que toi aussi, t'as de bien. Tu vois, parce que tu dois tout le temps te dire l'autre, ah, il est bien sapé, ah, il est bien ça, ah, il est bien ça, ah, il est bien ça. Et le mec, il y a toujours un point où lui, il va pas te montrer sa faiblesse. Mais il n'est pas bien quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, les gars. Ok? Tout ça pour vous dire, les gars, les bugs YouTube, c'est pas très très grave. Ok? Faut se baser, faut se concentrer sur votre chaîne. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent grimper, voilà, je suis quand même un YouTuber, on va dire, de bientôt 20K qui essaye de vous donner des conseils. Essayez, les gars, de vous mettre en tête que voilà, il y a pire et avancez, ok? Les gars, maintenant sur cette vidéo, je vais vous demander peut-être de laisser, enfin, si vous voulez laisser des commentaires, je kifferai, des petits likes, des petits partages, ça serait super cool. Par contre, les gars, pour les commentaires, je vais vous demander juste un petit truc. Donnez-moi des idées pour des tontons du bled, si vous voulez. Parce que j'en ai des idées. Hein. Je peux vous montrer des screenshots. J'en ai des idées. Mais le truc, c'est que je ne sais pas ce qui pourrait vous intéresser. Comme bref, c'est simple. Si vous avez vu des choses, des vidéos qui peuvent vous choquer. Comme moi, je l'ai vu, là, le mec là, avec le délire sur Facebook. Voilà, dites-moi tout, les gars. Ok? Je compte sur vous par commentaire. Je lirai tous les commentaires. Je répondrai pas à tout, mais je lirai à tout. Enfin, je lirai tout comme d'habitude. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à me donner des petites idées. Ok? Voilà, après, je vais peut-être rebondir sur des idées, il y en a peut-être que je vais faire, il y en a peut-être que je vais pas te faire. Voilà. En même temps, voilà, je vais vous faire des nouvelles vidéos, vous allez voir, vous allez vraiment kiffer, les gars. En tout cas, voilà, les gars, comme je vous ai dit, je vous le redis encore une dernière fois, ce petit mot-là, pensez pas toujours au pire, mais pensez des fois à votre petit avantage et ce que vous avez de plus que les autres, ok? C'est très très important. Je vous remercie, les gars, c'était votre tonton, n'oubliez pas d'aller checker la description si vous voulez me suivre sur Twitter ou sur Facebook. C'était votre tonton, allez, à la prochaine, les refs, et prenez soin de vous.